здесь моя, мое имя и фамилия. Вот тут. Получается. Галина Жукова. И мы находимся в музее Skyway. Так что, вот такой у нас здесь музей. Само мотор-колесо. Это сама технология. Противоисходное мотор-колесо. Наши первые юнибасы. Анатолий Юницкий. Вот тут на стенах показаны все наши патенты и премии Анатолия Юницкого. Spaceway. Вот так он выглядит. Так он будет в космосе. Общепланетарное транспортное средство. Ой, наши юнибусы. Вот так вот наши дома будут выглядеть. Наши смарт-сити. Вот так. Здесь у нас машины для инвалидов. Это на электрическом, на электричестве. Все на электрическом ходу. Вот такие у нас модели. Вот так. А сейчас мы пойдем за книжкой. Оля.
Cap maintenant sur les Émirats Arabes Unis, bien connus pour ses villes aux allures futuristes. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous. Le pays raffole effectivement des innovations en tout genre et certaines technologies pourraient bien révolutionner nos vies et notamment dans le domaine des transports. Bonjour Laurent, en effet les monarchies du Golfe sont friandes de nouvelles technologies, que ce soit les taxis drones ou l'hyperloop, un train censé fonctionner sur un tapis électromagnétique. Car ici, tout le monde a conscience que l'ère du pétrole touche sans doute à sa fin et qu'il faut être le leader dans les technologies de demain. L'une d'entre elles pourrait être un téléphérique urbain, actuellement en test dans l'émirat de Sharjah, la deuxième plus grande ville du pays. Reportage réalisé avec Nicolas Quérodrin et Sophie Guignon. Aux Émirats Arabes Unis, les gratte-ciel sortis de terre en quelques années sont desservis par des échangeurs routiers géants. Si le règne de la voiture a encore de beaux jours devant lui, le pays anticipe l'après-pétrole. Aux portes du désert, un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle. Suspendu à des câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par heure. Pour cet ingénieur russe, c'est l'avenir du transport. Bienvenue dans le futur. Selon les versions, ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus où 100 personnes se retrouvent compressées comme des sardines dans une boîte, là on peut envoyer les cabines les unes après les autres. Électrique et silencieux, ce métro suspendu à des câbles pourrait connecter des immeubles dans des centres densément peuplés comme Dubaï, mais aussi relier des villes entre elles sur de plus longues distances, comme l'imagine ce clip de promotion. Il est possible de le faire fonctionner dans le désert, des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accès. Déjà connue en montagne, cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilote pour fonctionner. Une pièce comme celle-ci est faite pour superviser 50 à 100 véhicules, puisque quasiment tout est automatique. Une solution adaptable pour le transport du fret. Selon ses inventeurs, ce mode de déplacement serait l'un des moins chers au monde, avec un coût, hors construction, de 1 dollar pour 100 tonnes déplacées par kilomètre. Ce que nous faisons, c'est de quitter le niveau du sol qui est surencombré avec des gens, des embouteillages, des bus, avec tout. Et nous allons au niveau supérieur qui, Dieu merci, est encore disponible. Sans détruire la nature ou les constructions existantes et sans émettre de gaz, nous offrons une solution économique et écologique. Cette installation est financée par le centre d'innovation de Sharjah, l'une des villes les plus embouteillées des Émirats. Avec un budget d'un milliard d'euros par an, les autorités veulent attirer les startups étrangères à la recherche de capitaux. Les Émirats ont une stratégie. À l'horizon 2030, de passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie de la connaissance. 1. Il faut encourager l'innovation. 2. Financer scientifiques et entrepreneurs. 3. Se concentrer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'impression 3D. Et 4. Créer des entreprises qui viendront enrichir notre pays. Les villes émiriennes de Sharjah et de Dubaï devraient être les premières au monde à installer ce téléphérique urbain. Une étape avant d'exporter ce moyen de transport à l'étranger. Allez donc, merci beaucoup Sylvain pour ces images particulièrement étonnantes, il faut le reconnaître. Et à très bientôt évidemment. Alors retour vers le futur.